tout. J'espère que vous allez bien, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, voilà, donc nous avons faire les résultats pour la Ligue 1, Ligue 2. Donc, on est parti. C'est parti, je vous donne le résultat dès maintenant. Alors, Nice-Rennes, on fait 1-1. Marseille-Angers 0-0. Brest a gagné 2-1 contre Amiens. Monaco a perdu 3-1 contre Strasbourg. Montpellier a gagné 2-1 contre Dijon. Reims a perdu 1-0 contre Metz. Saint-Étienne a gagné 2-1 contre Nîmes. Lyon a gagné 3-0 contre Toulouse. Nantes a perdu 1-0 contre Bordeaux. Et Lille a perdu 2-0 contre Paris. Notre classement. Premier Paris, deuxième Marseille, troisième Rennes, quatrième Montpellier, cinquième Lyon, sixième Nantes, septième Lille, huitième Strasbourg, neuvième Angers, dixième Bordeaux, onzième Reims, douzième Nice, treizième Monaco, quatorzième Brest, quinzième Saint-Étienne, seizième Metz, dix-septième Dijon, dix-huitième Amiens, dix-neuvième Nîmes, vingtième Toulouse. Et pour la Ligue 2. Les résultats vont s'annoncer dès maintenant. Alors, Auxerre a gagné 2-1 contre Sochaux. Caen a perdu 1-0 contre Ajaccio. Châteauroux-Niort 1-1. Grenoble-Chambly 0-0. Lorient a gagné 2-1 contre Nancy. Orléans a gagné 2-0 contre Guingamp. Paris FC Rodez 0-0. Valenciennes a gagné 1-0 contre Le Mans. Lens-Clermont 1-1. Et n'oubliez pas ce soir le match de Le Havre contre 3. Maintenant, les classements pour Ligue 2, qui fait premier Lorient, deuxième Lens, troisième Ajaccio, quatrième 3, cinquième Clermont, sixième Valenciennes, septième Le Havre, huitième Nancy, neuvième Guingamp, dixième Sochaux, onzième Grenoble, douzième Auxerre, 13e Chambly, 14e Rodez, 15e Châteauroux, 16e Caen, Le Mans 17e, Niort 18e, Niort 19e Paris FC et en 20e Orléans. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui n'y sont pas. Et mettez la cloche de notification, c'est important. Et on se retrouvera demain soir pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao pour la 8e de finale Coupe de France. Thank you.